qu'est-ce que le Père Noël a pensé de cette rencontre? Le Père Noël a pensé que cette rencontre était un peu pénible, le jeu à faire était un peu, c'était pas super, mais l'important c'est les 4 points de victoire, et c'est ça que le Provence Rugby a offert à ses supporters ce soir. Et à 14 contre 15, ça a été difficile et il a fallu qu'on attende la dernière minute pour avoir la victoire. Heureusement qu'il y a eu cet éclair de Charlat. Hein. Exactement. Un essai casquette, comme on dit, mais qui nous permet de prendre les points aujourd'hui. Je trouve que ça tourne pas très bien, moi, l'équipe, cette année. Par rapport à l'année dernière, c'est pas un jeu restrictif. Ça manque un peu d'envolée, ça manque un peu de vitesse. Je sais pas. Après, bon, il y a le terrain, ils étaient que 14, voilà. Faut gagner, quoi. C'est... Bonne fête, malgré tout. Eh ben oui, bien sûr. Mais il faut les gagner, ces matchs, hein. C'est bien. Voilà, il faut les gagner. Donc, c'est pas... Ils sont bien battus, quand même. Victoire difficile, très, très difficile. Déjà, se prendre un carton rouge au bout de 5 minutes, qui on ne sait pas trop si c'est justifié ou pas parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais très, très compliqué. Et après, ça n'a pas envoyé beaucoup de gens en deuxième mi-temps. On n'a fait que taper au pied, enfin, ressenti public. Je pense que les consignes étaient comme ça, mais difficile et va falloir mieux jouer la prochaine fois, je pense. Ce que je craignais commence à arriver. L'envie, elle y est, mais il n'y a plus la confiance. Et quand tu es à 13-6 et que tu es à 50 mètres, tu n'as pas une pénalité. Florent, il n'est pas en verve ce soir. On n'a pas de chance, c'est pas grave. Florent, c'est un super mec. Bon, il n'est pas en forme ce soir. Va chercher la touche. Et les gars derrière, eh ben, on a failli encore prendre un essai à 5 minutes de la fin. C'est dommage. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est toujours derrière, mais ça manque de jus. Ça manque de confiance. Ils n'ont pas joué avec la niaque. Qu'est-ce que tu en penses? Oui ou non? Et quel est le bilan que vous faites de cette première partie de saison? On était bien partis et là, il était temps qu'on arrive à la trêve pour pouvoir faire une pause, pour pouvoir récupérer et repartir encore plus fort. Pour la reprise, on va à Oyonnax. On va à Oyonnax pour la reprise et après, mon 2, deux grosses équipes, ça va être chaud, mais on sera requinqué par les bonnes fêtes qu'on va passer avec cette victoire. Vous avez passé une bonne soirée? Excellente, excellente. Malgré tout ça, ouais, non, malgré c'était une très très bonne soirée parce que j'étais avec mes amis de Saint-Cana. Et on reviendra. On se souhaite joyeux Noël. Allez, joyeux Noël et bonne fête, on se fait la bise.